avec sa femme, même sous la pluie, en Astata Raphaël. Parce qu'il avait échoué, non? Prenez-nous, Zobisou. Parce qu'il avait échoué. Échoué en quoi? Il avait échoué dans la manifestation. Non, mais il a saisi cette opportunité. Vous organisez une grande manifestation et cette manifestation est finie par un échec parce que la pluie a menacé. Netoyebi bato batinda kimbula wana pour ne pas faire échouer une manifestation naïe. Parmi ces problèmes, Marcelo priait avec sa femme. C'est ça ce que je vous dis, mon frère. C'était un échec. Potoyebi bato babeti cela kambula wana pour n'aba amener manifestation na en échec. Ils avaient réussi leur coup. Yé akoka ki ko évacuer mbula wana te abwa kayongo eke ne kokoya à côté mususu parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. Regarde une image, moi en tant que spirituel, toza na gematria to ko zwa biloko wana to kote ngona kata gematria o ezali la mathématique céleste, la géométrie céleste. Poto keneko bimisa vérité cachée dans cette histoire. Mengai na sala kabango confiance, un albinos n'a pas droit de travailler dans le sacerdoce parce qu'il est considéré comme impur. Ngala ko ce que nous ça genoué kunate pour n'a pas prier pour nanga, na ko ko que nous vanda kunate pour na yoka matea parce qu'il n'a pas droit de le faire. Qui lui a donné droit? Qui? Lui-même. Mais pasteur Marcelo, selon lui-même, vous, selon vous, lui-même a eu le droit de travailler dans les sacerdotes sans qu'on puisse lui donner le mandat. Il n'a pas droit de le faire. C'est comme un infirme. Un infirme n'a pas droit de travailler dans les sacerdotes. Oh, mes frères Patrice, c'est vraiment pasteur. A conquérir comme un pasteur, t'as mis comme ici pasteur Yemoko. Pour la ligne bâtique qui chante, parce que nous sommes un pasteur, vous imposerez le mets aux malades. Il y a qu'on impose les malades indégénés. Vous allez travailler dans les sacerdoces où il y a les ustensiles que vous devez manipuler. Il y a qu'on manipule les ustensiles. Vous avez d'autres membres de votre corps qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas à bon état. C'est comme un aveugle qui va aller travailler dans les sacerdoces. Depuis toujours, ça n'a jamais été le cas. Est-ce que c'est biblique hein? C'est biblique, mon frère. Bakere kotanga livre ya Lévitique. Allez lire le livre de Lévitique. Allez lire le livre de Deutéronome. Parmi les 613 lois sacerdotales. Hein? Donc, Albinos a côté. A kokite. A koyembela na yenzambe. A koyembela nzambe. A kosala makamu. Mais dans les sacerdoces, il ne paie pas. Est-ce que tango bazara kozwa basango? Yo monaka batikala kozwa sango ya Albinos. Bonjour et bonsoir à toute la communauté, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs. Vous nous captez sur Équilibre Télévision avec Jérémy Luemba, le renard du désert. Partout où vous nous regardez, mesdames et messieurs, que le bon Dieu vous bénisse. Avant tout, je dirais un clin d'œil spécial à tous nos abonnés ainsi qu'à tous nos partenaires. Mimi Ndoumé depuis Mouchinglaba en Allemagne. Je pense aussi à Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi, Forza Italia. Les célèbres Dien Zundu na Washington. Et pourquoi pas dire aussi merci à celui qu'on appelle le conseiller Papa Philippe Kabouikou depuis Fribourg, en Suisse, Irlande. Mesdames et messieurs, nous allons parler sur la spiritualité avec notre invité de marque que nous allons tous redécouvrir. Encore une fois, aujourd'hui, mais vous le savez très bien, l'Église, corps du Christ, est endeuillée. D'abord, le révérend pasteur Baruti Kasongo, qui nous a quittés depuis pratiquement une semaine passée. Son corps sera rapatrié ici à Kinshasa pour ses 18 ou 19 juin. Et Torozela, le retour, il y a la dépouille mortelle, il y a pasteur Baruti Kasongo. L'Église Corps du Christ, Bana frère Branham Baruzela. Mais entre-temps, vous le savez, nous venons aussi de perdre cette dame qu'on appelle Blanche Odia Kandolo Tounassi, épouse du pasteur Marcelo Jérémy Tounassi. Alors ça fait mal, paix à leurs âmes. Mesdames et messieurs, Torobet Alessola, il y a mystère de la mort, Maramotali, paix, les hommes de Dieu.
Je suis avec mon invité, le vénérable grand maître, docteur Wapiti. Bienvenue à Kinshasa. Merci, merci, merci mon frère Jérémy Louemba. Voilà, le monde de Bautalabiso, docteur Wapiti, bonne santé, bon état d'esprit. Bon, santé, ça très bien. Comme j'ai toujours dit, par la grâce de HM Adonai, je n'ai jamais eu de problème de santé. Si ce n'est des fois de quelques grippes passagères, mais la santé va très bien. Voilà, la santé va très bien. Nous bénissons le bon Dieu. Alors, entre nous, Bato Bayebiyote, vénérable grand maître, docteur Wapiti, qui êtes-vous, au fait? Par définition, Toroye Baozanani, face à la caméra. Donc, par définition, moi, je suis un des frères de lumière, un des fils d'éclaircissement, prêtre de la gnose christique. Donc, pour dire que je suis chrétien gnostique, parce que dans le christianisme, il y a plusieurs branches. Moi je suis dans le gnosticisme chrétien. Oyo nazo kamba misala ebele nakati ya mouvement gnostique chrétien. Gnostique chrétien, mais ça semble être nouveau pour nos chrétiens belé. Oui, ça semble être nouveau naba oyo baza évoluer spirituellement. Il n'y a rien de nouveau. Je dis aux gens, ce n'est pas moi qui a commencé cela. Je ne peux pas prétendre que c'est moi qui a commencé cela. Non. Il y a les aînés qui nous avaient précédés. Les autres sont déjà au-delà. Ils nous ont quittés pour aller œuvrer dans le monde spirituel, pour nous épauler à partir du monde spirituel. Et par la grâce divine, et moi aussi, je suis arrivé à avoir cette révélation. Parce que c'est une révélation. Et HM révèle sa parole à qui il veut. Parce que la gnose, c'est une révélation, parce que c'est une haute spiritualité. Alors, docteur Wapiti, tel que tu es là, aux arapouillés par les morts. Comment? Il faut bien expliquer, il faut bien poser la question pour... Mais on a bien dit que non, ceux qui nous ont précédés nous appuient. Si. Parce que dans un monde spirituel, ils ont quitté la matière, ils sont devenus plus forts, plus puissants que nous qui avons la matière. Parce que matière, nous devons affaiblir Bissot. Raison pour laquelle il faut arriver à transcender la matière. Quand vous arrivez à transcender la matière, vous devenez spirituel. Donc, vous passez de la nouvelle naissance. Un jour, Christ dit à Nicodème, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que tu te naisses de nouveau. Nicodème est troublé étant docteur de la loi. Comment dois-je me naître de nouveau, moi qui suis déjà vieux? Dois-je encore retourner dans le ventre de ma mère et me renaître? Écoutez la réponse christique. Et vous, Nicodème, docteur de la loi en Israël, vous ne connaissez pas cela? Que celui qui est de l'esprit est esprit, celui qui est né de la chair est chair. Tu vois? Alors, il faut se renaître. La réintégration avec l'esprit christique. Moi, je suis esprit. J'ai transcendé la matière. Pour moi, la matière est devenue illusion. Parce que je ne vis plus selon la matière. Moi, je vis selon l'esprit. Et à partir de là, je peux communiquer. Je peux entrer en contact et comprendre ce qui se passe au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, ce qui veut dire... Makamoto zo mona na misu ya yamusunité. Na misu molimo. Yamolimo. Alors ba oyo ba traverser de l'autre côté, ils viennent pour nous appuyer qui sont restés encore en stage dans ce monde des vivants.
Alors, merci beaucoup, docteur Wapiti. Vous le savez très bien, l'église Corps de Christ venait de perdre un baobab, le révérend Baruti Kasongo. On l'appelle le général de Dieu. Aza Papoyo a outi un message, mais il n'a jamais dit que Branham était un Dieu. Il appelait prophète Branham. Pour lui, c'est notre Jésus-Christ qui est le vrai docteur, qui est le Dieu et ainsi de suite. Il a valorisé quand même Jésus-Christ de Nazareth. Alors, entre nous, le loi Koufi, yo étant que spirituel, quand vous attendez qu'un pasteur est décédé, ça l'a rendu en. Et puis, avant Baruta Koufa, il a quand même aussi pu dire des choses. Alors, mission est sur la terre et Sili, Trokutana na Lola. Et les gens disent que Baruti Lelo, Nanenga Tamboli, Aza candidat sérieux pour na paradis. Tu peux dire quoi avant de toucher le Kamotali, Maman Blanche Tounassi? Merci, 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 merci mon frère. Mais avant la banda, on a remercié Hachem Adonai, créateur et maître de l'univers, qui a fait qu'on puisse se voir encore aujourd'hui. Très bien. Et après que j'étais retourné en Europe, vous étiez resté ici. Il y a parmi nous les gens qui nous ont quittés, qui étaient avec nous. Mais par la grâce divine, nous sommes encore là. Yes. Alors, je ne peux pas commencer une émission sans toutefois rendre gloire d'abord à Adonai, à Hachem. Et rendre aussi gloire à Wambam Pongutu Lendo, Dieu Père Tout-Puissant, Nimawe Jandang, il a dit de nos ancêtres. Bon, parce que dans la question, il y a des sous-questions. Allez-y. Il y a des sous-questions. Allez-y. Bon, Togobanda d'abord, homme de Dieu. Homme de Dieu. Qui est l'homme de Dieu? Qui est l'homme de Dieu? Qui est l'homme de Dieu? Bon, Basali Moussala na moko yo oye meme libiso fruité. Baba Routi yona. Et meme fruité. Donc, Nazalaga na bango d'accord. J'ai toujours plaidé qu'on nous ferme toutes ces églises-là qui sont implantées dans chaque coin de la rue comme des champignons, qui nous a amené nulle part depuis l'indépendance. Jusqu'à ce jour, Bamema Bisso nulle part avec cet évangile paulinienne. Il faut battre la Moussala Basali. Oh, Moussala Obango Basali et Memimbo Kanabiso nulle part. Mais Baba Routi wana ba délivré batou. Ba délivré ba longoli ba kindoki. Ba longoli mutu. Ba malade e longwe. Ba délivré mutu te ba longoli pe mutu kindoki te. Ils ont amené ces pays dans l'état où ces pays se trouvent actuellement. Ça c'est un. De deux. Branham c'est un Américain. Un jour j'ai passé devant une de ces assemblées à Binza. J'ai trouvé une photo, il y a un certain Jésus avec Branham. Je me suis arrêté pour demander à ces gens-là, où est votre pasteur? Balakisinga pasteur. Bavanda qui groupe devant leur assemblée, Branhamique. Natouni na lobby, mais photo binobote, il y a Jésus. Est-ce que ça Jésus? Wana na yebeza Branham, c'était un Américain. D'ailleurs, il a plagié son message. Un jour, on peut en parler. Le message que Branham a donné, ça ne venait pas de lui. C'est un plagiat. Les gens, d'autres hommes de Dieu qui étaient venus avant lui. Lui, il a fait que plagier le message et il l'a valorisé. Et le message était devenu comme ça venait de lui. Or, ça ne venait pas de lui. C'est comme moi j'ai dit tout à l'heure. Ce qui est dans le but, c'est que l'acnose christique, c'est que moi, j'ai fait que raconter cette révélation. Ah, donc, Branham, on a copié des plagiat. Il a plagié. Il a plagié les messages. Ce n'est pas lui le détenteur de ces messages. Il a plagié un message que deux aînés avaient déjà parlé, en parlaient déjà à leur époque. Vous comprenez? C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Alors, on a tout dit, on a dit, mais Oyo Bino Boche Oyo, Branham Nayeba, c'est un Américain. Oyo Bino Boche Oyo, c'est qui? Oh Jésus. Est-ce que Jésus avait les cheveux blondes avec des yeux bleus? Non! Je dis ça, c'est un faux Jésus qu'ils avaient fabriqué au 3e siècle.
qui représente le diable. Oh. Que les gens prêchent dans leurs églises aujourd'hui, c'est pourquoi nous ne voyons pas la transformation ni ce que nous devions exactement voir. Oh non, et Jésus, mais non, Jésus n'était pas blanc, Jésus ne portait pas des cheveux blondes et des yeux bleus. Ils avaient fabriqué cette image-là au 3e siècle. Fabriqué quand il y a mon frère. Allez, balobi. Bazalaka ko leka na cavalier zo leka. Baye bakuti un artiste peintre. Aza ko sala musala na ye. Ba telemisi caravane. Na yo re na na sali biloko. Nga mun na za artiste na zo sala ba peinture. Allez, boka ba te longi wana. Jésus na otoye bi sabatu. E longi na ye yango yo. Alors que les véritables n'avaient pas de cheveux blonds ni des yeux bleus. Et aujourd'hui, bah, tu vas faire allusion. Ça, c'est un. Alors, na koti saki bango na lo yenge, pe na sekaki, na lobi, regarde l'évangile que vous avez amené ici au Congo. Ça nous a amené où? Et ça nous amènera nulle part, mon frère. Retenez ce que je vous dis et je le dirai toujours. Et comme ma biso ici, kate, moussala oyo bango basali. Et même mboka oyo nulle part et enrichir kaka bango moko parce que c'est du business. Ah, c'est du business tout autour de ce nom là Jésus. Donc c'est ce que tu peux dire à Baruti. C'est ça, yé mon côté. Naba ninga na ye mususu oyo batikali. Et celui qui veut me contredire Jésus à Kinshasa, il n'a qu'à demander un débat contradictoire. Donc, Babloko, Moussala, Bamoutou, Moussali, Babarouti, Bamoukouna. Mais regardez ces pays, quand vous atterrissez à l'aéroport d'Ndjili, est-ce que vous allez vraiment constater que dans ces pays, ils connaissent le véritable Dieu? Quand vous vous promenez ici, dans cette capitale, est-ce que vous sentez vraiment que dans cette capitale, il y a un véritable Dieu? Alors, à moins que vous êtes un aveugle spirituel, Moni, à moins que vous êtes un aveugle, c'est du business. Donc l'église, c'est du business. C'est du business. Donc, mais comme on dit que Balobela Kamabe Yamouéité, je présente mes condoléances à sa famille biologique qui vient de perdre un de leurs. Que l'Esprit Christique puisse le consoler jusqu'à ce que la dépouille de leurs frères, de notre frère aussi congolais, puisse être enterré dans la dignité et que son âme repose en paix auprès de ses ancêtres. Deuxième sous-question. Oh, yenazali sikoyo, ce qui n'a paradis, ce qui n'est. Qui peut décider na oya kokota na paradis, na oya kokota na paradité? Mais les qui gens, peut décider? Non, non, les gens aussi regardent les comportements. Quel parcours naïe. Quel comportement et quel parcours? Je vous ai dit que Basali et Loko Moko Yamalonga Namboka Oyote, c'est pourquoi nous constatons, nous voyons l'état dépravé de ce pays au niveau spirituel. Parce que Moutouaza, d'abord spirituel. Quand spirituellement, Okomikoko Mamalamu, ne physiquement, matériellement, Yokoko Mamalamu. Alors, ce qui a ma caméra comme malamou, c'est parce que l'homme congolais a des problèmes spirituels. Mais si, avec toutes ces églises que vous me citez là, implantées dans chaque coin de la rue comme des champignons, s'ils avaient prêché l'évangile christique, véritable évangile christique, est-ce que tout le monde a dit que tout le monde a été en train de se faire? Tout le monde a dit que ça a été en train de se faire ou il a été en train Moutako sambi sabatu oya yebi batu. Comme l'Égyptien dira à Moïse, quitte établi juge, yo banakokata makambo, oya kokota na paradis yeyo, oya kokota na paradis yeyo. Alors est-ce que yé, assis ici, le cycle, ya réincarnation na ye, ba ye langa date de naissance na ye, ba ye langa kombo na ye, nakola ki sabango soki, notre frère en question, était arrivé à la fin de sa réincarnation.
parce que avant yo au traverser de l'autre côté au Kendelibé là qu'on vivre en éternité, il faut aussi lisa cycle ya réincarnation na yo. Mais le pasteur Barout il a dit que mission na sa mokili et sili tokuta na api na lola. C'est lui qui a dit ça, il sait pourquoi il a dit ça. Un jour na mona ki musicien moka lobi soki a kufi ba tombai. Un jour na mona ki musicien moka lobi ye a kokufa na kati ya podium. A kufa ki pe na kati ya podium. Est-ce que zalaki homme de Dieu? Est-ce que kenda paradis ou muli monete so telengana ka wana matonge? Papa Wimba sur scène. Nga tangi kombote. Nga tangi kombote. Donc, c'est ce que Denis Lessi aussi a dit. Alors, il dit que jamais un véritable serviteur de Dieu peut connaître sa fin, sa mort. Selon Denis Lessi. Pour nous, il faut être initié dans la christique, dans la magie, dans la sorcellerie, pour connaître sa fin. Comme l'a chanté Pépé Kale, Mabele, ou Madiloupa Yimbaka, Mugola Rukufa, Lutumba, ainsi de suite. Selon Denis Lessi qui a décrit cela comme ça. Non, non. Naoloba. Azakara a tort. Il a tort et il a raison. Hein? Comment il ça? Il a tort et il a raison. Bon, Narobananou, il a raison. Que Batumoussousou, Nakati, il y a Baloge, comme Nakati a franc-maçonnerie, Nakati, il y a Rose-Croix, Amok, Okoye, Bamoukolo, pas Bakoye Bissayo. Moukola Liwana. Moukola Liwana, Bakoye Bissayo, frère Jérémy, on vous appelle au téléphone. Prépare-toi parce que cette fois-ci, c'est vous qui doivent partir. Alors, même le Koloza a déjà préparé. Oyebi ke baninga mususu bozalangi na bango ba kenda de la sorte, alors komona mutumbala moko a bandiko s'est préparé. Allez, ndé mususu bandiko yebi ça. Alors komona maintenant, yango mona ka mingi mingi ba kenda na ba crise cardiaque. On a dit qu'il n'y a pas à piquer crise. Ma mort subite. Ma mort subite. Imprévue. Ma mort du soir. On dit qu'il n'y a pas à cause de la bango, mingi ndengwana. Ba toi, ba loge. Si. Mingi mingi ndengwana. Parce que, ayebi ba cycle na ye na souka ya cycle na ye. On dit. Alors, si on a dit bongo, si on a dit vie de prière, on peut se sauver. Atika le sous son attend mingité. Ah, ok. Aza sous son attend mingité. D'ailleurs, j'ai une femme qui est décédée, que son âme repose en paix. Son mari était colonel médecin militaire. Alors, bah, va venir à Mobali, il coup de téléphone et l'éli. Mobali a eu coup de téléphone. A sololi, ou bien par routine de l'eau, SMS, message. Tant que sololi a silici, à Molika Mobali n'a commis triste. Et tout de suite, il a effacé les messages. Or, il m'a annoncé qui est que cette fois-ci, c'est vous qui devez partir. Et une semaine après, Mobali Naya Koufa Awa, en faisant le footing, le matin, le dimanche. Étant militaire, le dimanche, à quelque chose, l'entraînement, il y a footing, déplacé à ses Kroulaka, Awa Pemenda, prince de Liège, à ses Kroulé, à les Batoubaye, à Koufa Nosa Koufa Kayangouana. On les annonce. Bon, dans le bas côté, on a le bien à tort. Tu peux aussi développer une spiritualité qui va faire que oko yeba mokolo na yo ya kokende. Oko mona yango lokolo mona ka elongi na yo na kitala tala. Ce n'est pas dit parce que tu es dans un loge satanique. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire un loge? Loge. C'est là où on étudie une science. Tu peux être dans la loge de la médecine. Aujourd'hui, nous sommes dans la loge médicale. Pourquoi ma médecin le mot loge. C'est là où on étudie. On va pour étudier une science. Donc, on peut développer la spiritualité. Il y a bon zambé. On peut développer le départ. Il y a l'heure, il y a jour. Sans que vous allez être sataniste. Mais alors, c'est le cas de ma pasteur Barouti. Deuxième des choses. Deuxième des choses. Mon frère, moi je parle de Misala Basali. Misala Oyo Bango Basali Nakati Amboka Oyo. Ça a amené une transformation où et dans quel domaine? Sinon, qu'ils ont que
et construit des cathédrales oyo nzamba vandaka kuna na katité. Est-ce que nzamba vandaka na kati ya ba cathédrale ou na kati ya ba ba ba, ba, ba ndako bango ba tongi luxueuse. Bate ba kiti moko ya luxe ba vandaka na likolo kuna ba se faire comme bango bazali important plus que les autres. Basali musala ya mabe na kati ya mboka oyo. Ba pasteur basali musala ya mabe, c'est pourquoi j'ai toujours dit la personne qui va relever le défi pour amener ce pays à son émergence, il doit commencer à fermer toutes ces églises là qui sont implantées dans chaque coin de la rue comme des champignons. Bazwa Bible, bazung sera yango ba catholique ba memela ki biso yango, bazung sera yango ba protestant, batika islam na Coran, batika ba kimbangiste le chrétien orthodoxe. Binza binza mwana ya mike mike mwana nyoso tout bakanga yango. Soto lungi to mona développement ebanda parce que l'église ou la religion n'a jamais développé une seule nation. Batu ya mayele mutu ba développer kamboka. Mais actuellement ba pasteur na biso bazola ta drapeau Israël photo wana ya Jésus to moni prophétesse moko bimia zo pesa ngo ba bizou. Oh Jésus na ye nzambe na ye azoli ake bambanga. C'est cache quel mystère na photo wana ya Jésus. Elle est dans l'ignorance. C'est un ignorant. Natalake, c'est aza notre saint, aza na kata ignorance. Vous comprenez? Elle est ignorante. Aza na kata ignorance. Ignorance na ye muteza ko sala asala ndengwana. En quelque sorte, c'est quelqu'un qui a un démon. Un démon qui le pousse à aller adorer un autre démon. Parce que cette image-là, c'est démoniaque. Image ouane zali démoniaque, zali image ya Christ été. Et a image moko fabriquée. Alors, un démon peut te pousser aussi à aller adorer un autre démon. Ah bon? À partir de votre ignorance. Mais elle est libre. Nous sommes dans un état laïque. Chaque personne est libre de pratiquer sa spiritualité comme il l'entend. Alors, docteur Wapiti, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, entre nous, ton père de Lolo Mama Blanche Odia, Kandolo Tunasi, épouse du pasteur Marcelo Jérémy Tunasi. Alors, c'est vrai, les cosmétiques. Oui. Il y a traitement naturel et cosmétique. Pour un problème, il y a santé. Nous avons un problème, il y a hémorroïdes, stérilité, tension, diabète, nerfs sciatiques, estomac, myome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, mboudi mboudi, bandekoboya, ba solution ezali. Ba kisi ezali ebele, eza très efficace. Tobuki ba prix, na 30%. Côté cosmétique, tous les produits sont tels que Thémétis, tous les crème de beauté, Mika, ma foute à Copacola, tous les savon à biso gommant, ou ils ont traité. Ils ont contre la tache, la acné, la bouton, la vergeture. Tous les savon noir à biso, ou ils ont traité, ils ont à l'aise dans la douche, ils ont protégé contre les mouilles, ils ont très efficace. Tous les crèmes de visage nabiso, ils ont embelli les longues, ils ont rendu les longues lisses très propre, très agréable. Tous les huile d'ananas, solution en goyo pour la peau sèche, surtout, solution isali. Tous les lotion tonique pour la bata tampon, tous les lotion tonique pour la bata au bazan à tampon, mais pour les abîmer. Tous les gommage fait à base de café, ils ont rendu les longues propres, ils ont longu la ba bouton, nyon surtout, ils ont kédé na ba graisse. Tous les pommade à souki, pe huile à souki, isali très efficace. On a probable à libandi. Souki kola ka ou bien te, ba produit en goyo est très naturel, ils ont Très naturel, comme on dit maman Lobi. La pommade anti-solama pétale, il y a un problème. Solo, au dégage, au transpirer, à mingi. Solution, il y a pommade anti-solama pétale. Bobo Sanate, tu as une promotion, réduction à 30%. Tu as un produit, tu as un produit. Côté, tu as un bouquin. Côté, tu as un kiss, tu as un peu de poussière, il y a un coco. Nde ko siko zali za musika ba produit ma ezo ya te ba kisa poussière ya ngoyo okomela na kaya maladi nyoso tu o mama mi katanga ki awa okozwa solution na yo benga biso na plus 243 89 98 27 674
adresse na biso toza na commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue pose numéro A17. Pona stérilité, bande konanga basi ozo koka ko concevoir te. Solution yango yo eye. Papa ozo koka ko pesa zemite. Ba kisi yango eye eza très efficace. Boya ebele, boya ebele boko zala desite. To buki ba pri, ngai 7e naza awa. Ngai 7e baga naza awa. Bye. Peut spéculer. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Mais tout à l'heure, le pasteur Marcelo a ses comportements. Il aime la vie de prière. Il aime la sanctification. Il aime la sainteté. Il prie avec sa femme, même sous la pluie, en Astatata Raphaël. Parce qu'il avait échoué, non? Prenez-nous, Zobisou. Parce qu'il avait échoué. Échoué en quoi? Il avait échoué dans la manifestation. Non, mais il a saisi cette opportunité. Vous organisez une grande manifestation et cette manifestation est finie par un échec parce que la pluie a menacé. Netoyebi bato batinda kimbula wana pour ne pas faire échouer une manifestation naye. Parmi ces jour de clôture mboule beta. Marcelo priait avec sa femme. C'est ça ce que je vous dis mon frère. C'était un échec. Potoyebi bato ba betisi la kambula wana pour n'avoir amené manifestation en échec. Ils avaient reçu leur coup. Il y a à quoi qui ont évacué Mboula Wanate, à Boakayongo et qu'ils ne couvaient à côté Moussousou parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. Ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. Oh. Mais il avait saisi cette opportunité d'aller maintenant se mettre en pleine pluie et commencer à prier. Donc en quelque sorte, Azalaki n'a moins sagesse à saisir échec Wana. A transformé Yango à son avantage en allant se mettre en pleine pluie avec sa femme et Mboule Baniko Bete là-bas. Alors, ceux qui Mboule Bete en pleine prière, ils ont échec. Hein? Mon frère, quand vous organisez une manifestation, au Tcheba Mbomo, au Saliba publicité, c'est comme un mariage, c'est comme un meeting, c'est comme ce genre de manifestation. Vous attendez à quoi? À une réussite. La réussite, c'est quoi? Obstacle mon côté et il y a qu'à empêcher déroulement. Il y a manifestation, voilà. Si. Ce qui obstacle mon côté et il y a qu'à empêcher déroulement, ça veut dire quoi? C'est un échec. Vous avez perdu de l'argent. Vous avez perdu le renouveau de Minobotia qui en jeu les mois de préparation. Et tout ça. Tu vois, c'était un échec. Parce que toi, il y a des gens qui banane. Lui n'avait pas le pouvoir. Il y a un long la moula. Il y a des gens qui à côté de la manifestation. Il y a des gens qui sont en mais il avait quand même saisi l'opportunité pour transformer cet échec à son avantage. Il y a prière. Il y a des gens qui sont en train de se. Quand on regarde une image, moi, en tant que spirituel, tous en a gematria, toko zoabilo kola to kote on a kata gematria, o ezali la mathématique céleste, la géométrie céleste, poto keneko bimisa vérité cachée dans cette histoire. Menga ina sala kabango confiacité, un albinos n'a pas droit de travailler dans les sacerdoces parce qu'il est considéré comme impur. Nga la koko se keneko sa genoué kunate. Pour n'avoir prié pour Nanga, Nagoyo que nous vendons à Kunate, pour Nayoka Matea, parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Qui lui a donné droit? Qui? Lui-même. Mais pasteur Marcelo, selon lui-même, vous. Selon vous, lui-même, a eu le droit de travailler dans les sacerdotes sans qu'on puisse lui donner le mandat. Ah bon? Mon frère, mon salaire, mon limo. Bon, les lots, c'est comme l'internet, tout le monde doit se mettre à quoi créer chaîne na yemoko, à quoi créer page na yemoko, à quoi chaper du loco, à quoi épater quelques ignorants comme lui. Il n'a pas droit de le faire. C'est comme un infirme. Un infirme n'a pas droit de travailler dans les sacerdoces. Oh, mes frères Patrice, c'est comme pasteur. À quoi comme pasteur, t'as mis comme ici pasteur yemoko. Pour la ligne bâtique qui chante, parce que nous sommes un pasteur, vous imposerez le mets aux malades. Il y a qu'on impose les malades indégénés. Vous allez travailler dans les sacerdoces où il y a les ustensiles que vous devez manipuler. Il y a qu'on manipule les ustensiles. Vous avez d'autres membres de votre corps qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas à bon état. C'est comme un aveugle qui va aller travailler dans les sacerdoces.
Depuis toujours, ça n'a jamais été le cas. Est-ce que c'est biblique? C'est biblique, mon frère. Bakere Gotanga livre, il y a Lévétique. Allez lire le livre de Lévétique, allez lire le livre de Deutéronome. Parmi les 613 lois sacerdotales. Donc, Albinos a goûté. A coquité, a koyembe la nayen zambé, a koyembe la nzambé, a kosala makabou. Mais dans les sacerdoces, il ne paie pas. Est-ce que tant bazara kozoa ba sango? Yo monaka batkala kozoa sango ya Albinos. Non. Tant bazoa kaba en rôle kaba tuna armée. Yo monaka ba rôle kaba infirme. Non. Ce qui bazoa kwa rôle ba infirme, qui cela va expliquer que cette armée n'est pas une armée. Moni. Donc il y a des normes, dans chaque chose il y a des normes. Mais bango tango yoko solorana bango, nous sommes sous la grâce. Est-ce que la grâce nous dit de bafouer les 613 lois sacerdotales? Mais cela ça métisse toi ndou. Azali ndou la métissité. Tu peux noircir tes cheveux comme moi je le fais, tu peux noircir tes barbes comme je le fais de temps en temps. Mais cela ne dit pas que je n'ai pas de barbe blanche ou de cheveux blancs. Ah. Mais il y a limite na musala nzambe. Et ali limite dans chaque chose mon frère, il y a des lois. Tant que nzamba bimisi ba Moïse nakati ya Égypte abandi ko tambusa bango, tant que ba komi quelque part, nzamba salinine HM. Alobite to ko ki ko tambola na bato na désordre été. Il faut to cha mibeko. Aye ko pesa bango 10 commandements. Après ces 10 commandements à Moïse, Exode chapitre 20, après ces 10 commandements, regardez comment vous devez vous comporter vis-à-vis de moi, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. 5 premiers commandements. Oezo la kisabiso, n'engene ne toki ko se comporter avec notre Créateur. Le 5 dernier commandement, n'engene ne toki ko se comporter entre nous, les humains, qui fait 10 commandements. Maintenant nous allons faire les sacerdoces. Alors bien à Moïse, à partir d'Exode 25, Moïse, maintenant tu vas me construire un tabernacle. Ce que Otangi à 3 reprises, Hachema Zoloba, tu le feras selon l'ordre que je t'avais montré sur la montagne. Donc, yo okosa la sacerdoce, lo lenge na yote. Yo okosa la sacerdoce okotonga tabernacle ndenge nga na lakisaki yo tangu tozalaki na ngomba nga na yo. Donc pour dire, tu ne peux pas commencer un ministère comme toi tu l'entends. Non, un ministère doit être commencé selon les règles bibliques. Tu vois, qu'on nous a prescrit dans la Bible. Alors, tant que basali sacerdoce, basali tabernacle, nzambe siko HM alobi, il faut maintenant que les gens doivent travailler dans les tabernacles, devenir des prêtres. Il va aller choisir la maison, la famille de Aaron. Abi maintenant Aaron et sa famille ne bango bakozala ba prêtre. Il a distribué les rôles parmi les 12 tribus. Chaque tribu avait son rôle à jouer. Bana ya Aaron Libota ya Ayaro, bango nde bako sala nakati ya sacerdoce. Sale la bango même le tenis sacerdotal, oyo bango bako banda kolata, pona baya epananga, consultation epananga. Alors, je vais vous contredire un peu, docteur Wafiti, mais il y a aussi un grand pasteur dans ces pays qu'on appelle le pasteur Walo Mutsinga, l'homme de prière à Turbo. C'est un vrai albinos. Il est grand par rapport à qui et par rapport à quoi? Mais, Azale... Il est grand par rapport à qui? Et par rapport à quoi? Il prêche l'évangile paulinienne. Oh. Il prêche... Il est en train d'impacter la jeunesse et les quelle gens quelle jeunesse impactée, mon frère? Au Moni Congolais... A Kenaraba Jourdain, partout. Attaque il y a Jourdain, que Soukoulanama y a Jourdain, ça ne nous amènera rien. Attaque que Zoma Bela, Israël, Wana, Oyo, Makamezo, le Kakuna, Malamu, Teba, Pengwa, Bangonyoso. Attaque que Zoma Bela, na Bangwaye, na Awa, ça ne nous portera rien. Bake que Sambela, na Kafernaoum, na temple, ya Kafernaoum, là où la carte du Congo était dessinée, et même les Bissonines. Rien. Il faut Batouba Zonga, na Katia Kinoz. Mais Walo Walo Pazandundu, donc Ako exercer ministère T. Il est venu à Paris,
Il a prié, embrassé le sœur publiquement, soit disant qu'il est en train de prier pour eux. Tu le changement dans toi les alités. Pasteur Walo Mutinga. Mon frère, moi je vous dis des choses. Naebi ça qui m'a sert n'habite là. Abandonner qui embrasser bino soit disant prière parce que Boza ba sert beaucoup bon impacta Boza ba influenceuse. Il a fallu un peu embrasser bino soit disant qu'il est en train de faire des prières. Maintenant à cela qui a mo et apporter bino nini et apporter bino l'autre côté. Ba sert n'anga baza kuna notanga comme la bangote. Na l'obité qu'embrasser bango na kobomba mais pendant la prière. Bisou. Ça. Non, tenir les femmes comme ça dans leur corps. Moi je ne peux pas faire ça. Ah, je vous ne peux pas faire Walo. Moi je vous dis ça, il est venu à Paris. Je l'appréciais avant il prêchait, je l'ai connu un peu dans des moments là lointains. Nazaki même na ba cassette na azotan l'urgence de la mission tout ça, il a fait tout ça. Mais quand j'ai compris la kenose Bazali, Baza contre Bangote. Baza spécialiste en délivrance. Nazali, il peut te délivrer. Qu'il délivre ces pays alors. Qu'il délivre ces pays. Qu'il délivre ces pays. Ces pays. Mais qu'il délivre ces pays. A délivré pays. Selon le pays, ils en ont délivré. C'est dans les ténèbres, mon frère. Pourquoi vous ces pays? Mais oui, dans les ténèbres. Et dans les ténèbres. Boyoka qui prière y a passé Moussousou. Na investir te na investir awa na martyr tant on a yebisa ki bino ba journaliste awa ba memaka fumu wa ditonga ba kena e awa na martyr nous allons prier dédier ce pays à Dieu. Quel Dieu na tuna ki bango? Quel Dieu? Vous avez fait réciter le chef de l'État un verset biblique. Si sur qui mon peuple est invoqué, mon nom est invoqué, prie et tout ça, tu dis quel nom? Quel Dieu que vous avez invoqué? Dieu, ce n'est pas le nom du Créateur. Dieu, diversité d'intelligence et de l'énergie dans l'univers. Alors, vous dédiez ce pays dans quelle énergie? Dieu, ce n'est pas le nom du Créateur. Alors? Et même Bissouapi. Donc, mon frère, Naza contre Bangote. Alors, maintenant, nous avons appelé 613 lois. A koki kosala na sacerdoce. Et Zali, Otozobenga, les sacerdoces dégénérés. Donc, Bandundu, tout bâti comme ministère. Pas qu'il y ait un ministère sacerdotal, sinon, ce sacerdoce est dégénéré. Bandundu, infirme. Pas qu'il y ait un ministère. Pas qu'il y ait un ministère sacerdotal, etonga, mais pas qu'il y ait un etumbelo, pour pas qu'il y ait un ministère sacerdotal. Autosobenga sacerdoce. Voilà, je retiens ça, et puis prochainement, dans le pasteur, va interpréter en haut. Vous pensez un verset, hein? Lévitique. Oui, mais il y a des temps, ça va passer. Il y a des temps à Lévitique, il y a des temps à Deutéronome, il y a des temps à les 613 lois sacerdotales. Très bien. Alors, c'est vrai, Maman Blanche Odia Kandolo Tounassi, l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi n'est plus. Balobia Koufi, suite à un malaise, dans niveau à Turquie, selon les dépêches au Natangi. Balobia Koufi, na Turquie, suite à un malaise. Bon, quand Dieu veut rappeler. Et que là, mon aïe, à Zora, quand il veut, on va appeler moi, c'est un pasteur. Mais aux Okoufa, pasteur n'est pas monité. Ça arrive, non? A Zupi révélation, t'es. Maman Koufi, au Lobani, ça perd énorme. Hein? Bon, je dois que présenter mes sincères condoléances. Parce que quand ta femme meurt, je crois que tu vas être choqué. Au plus profond de vous-même. Très bien. Même si moi, si ça m'arrivait, ça sera la même chose. Maintenant, Koloba, au moins mon frère, Liwa avant Eya et Anonsaka. Un mois, deux mois, trois mois, Liwa penza oyo ya Liwa. Hein? Oyo pena ya Liwa kenza mbende mouta sala ki yon a destiné na yo, tant yo koko ma fokende. Liwa et Anonsaka. Un, deux, trois mois, Liwa et Anonsaka. Mais, Batumususu, Bakoye Bako discernete que Liwa Moutou Ezako annonce biso. D'ailleurs, au monde Batumususu, au monde Balubie, on dira Yebaki. Talandenga Bandeki Koloba, Talandenga Bandeki Kosala. Pourquoi? Parce que avant que l'âme quitte le corps, l'âme doit commencer d'abord à aller faire un voyage. Dans l'endroit où elle va habiter après qu'elle va quitter ce monde ici-bas. Il faut maintenant qu'on explore. Mokili wana ya ko kende ko vivre. Ndeo ko mona
bato mingi bakomaka mususa komi triste mususa komi mawa mawa parce que amna ye eyebike eza na makambo ebele ya mabe o ezo zela ye bisika o ye akokende ko vivre omona komi mawa mawa ba mususa omona ka bakomaka esengo asokoli meme alati kitoko akati sisuki comme un de grand frère que j'avais connu moi si na lobby ndeko tofande ki na hôpital général wana a lobby ke lelo na ko yamba bato ebele boke ne ko zolanga costume na nga wana ya boye boke ne ko zoa joy abana ko katanga suki na matonge bake bazui garçon abana ko katé suki aye na hôpital akati esuki ndeka bandaka ko kata ye abongisi ye asengi costume asenga ki alata balati sie a lobby lelo na ko yamba bato ebele na ko yamba bato ebele or il annonçait déjà son départ. Liwa eyaka ko avertir biso. Ndoko mona mutu musa komi koloba maloba. Ba mususu bazo yeba ko discerner yango te, mais soki batone ti biso ya molimo tozali na koyeba ke muto etikali muke akite biso. Am abandi ko annoncer biso ke il va partir. Ndomo na kabatu mingi balela kabongo. On dira yeba ki hein. Mususu abandi ko arranger ba problème no tsazala ki nango na batu. Abandi ko arranger yango tout ça. Il nous annonce la mort quand ça vient. Mais mort oyeye ko yiba yo ko yiba wana ndezali ya mabe. Otozo benga ba mort subite. Quelqu'un avait plein de projets en lui. Ba yeko yiba yeko yiba. Otozo benga ba mort du soir. Tous les jours na priaka contre la mort subite. Et ya ko zwanga boyete lokola muyibi. Mort du soir na lala ki na pongi. Dans l'espérance nakola mukana tongo avec des projets que j'avais à faire déjà yo toza une émission na lala ki nango na butu que lobby a telerté na kozala une émission na Jérémy Lueba baye ba yipinga na butu voilà ba foliwa ba mort imprévu les morts imprévus les morts subites or malaise ka kosukosu mort du soir mort du baliwa ya mabe. Yango moni echokaka bato mingi. Poliwa fo a annoncer mutu a se préparer si mabaye kozwaye. Ndo mona katango baye ka kozwa bato mususu baye kozwaye avec brutalité mutu a s'agiter avant que l'âme quitte le corps. Po ye azolinga ko bimate. Po ayebi ke makambo ezo zelaye na liboso ezali ya malamu te. Mais tu peux développer une haute spiritualité qui fera que tu puisses voir le jour même de ton départ. Alors, ça c'est bien dit. Pour vous libérer, docteur Wapiti, le vénérable grand maître. Mais ça coïncide aussi parce que hier, seulement hier, le pasteur Marcelo avait publié ceci. Moi, j'ai deux dessins à Lyon. Lyon a terminé la couronne. Oh, Lyon a pessé le dos. Bazo poignardé. Mais il a écrit ceci. N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer les prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Chaque succès cache un prix. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves. À combien ? Succès, épreuve, prix, gloire. Et le lot, moi, c'est à Koufi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la mort. Ah bon? Ni de la mort en général, ni la mort de sa femme. On comprend donc comment? Il a écrit des choses, oui, parce que avant que tu ne récites, il y a un travail que tu dois faire. Il y a des prix que tu dois payer. Il y a des preuves que tu dois traverser. Hein? Donc, ezalite que namoto moko récite moko eya kaka kabouete yoko ya omoninga la réussir, mais oyebi ba épreuve na lekate na andirate. Oyebi sacrifice na salaté. Donc ça c'est sur le plan de la matière, c'est tout à fait normal. Mais quelqu'un dit que peut-être à mon qui lui a moi si na aimé a na pouvoir ya ko réveiller. Non, ça n'a rien à voir mon frère. Les textes que vous venez de lire pour, selon ma compréhension à moi, ça n'a rien à voir avec la mort en général ni avec la mort de son épouse. Ça n'a rien à voir. Très bien. Mais cela ne dit pas que Mobali Kafa Koufali Bosso, moi c'est Kafa Koufali Bosso. Peut-être qu'elle avait des problèmes de santé qu'elle cachait. Il y a un moment où il a tourné tout à l'heure. Est-ce que ça a un check-up? Il y a ma santé na bango. Normalement, chaque 6 mois, un homme averti
il faut toujours à salaka check-up aye baka état de santé naye bah, comme je me tiens là ce qui maladie moko bizarre et côté linga mon médecin a koka moi parce que oh, monsieur Wapiti, vous n'avez jamais eu de problème de santé. Comment aujourd'hui on découvre la diabète? Comment aujourd'hui on découvre telle maladie chronique en toi? Parce que depuis aux alors maladie chronique t'es alors chaque 6 mois il faut batubasa la check-up ya ba santé na bango. Quand les gens disent que nous prions, mais Paul priait plus que vous. Ah. Mais comment Paul est allé voir Luc le médecin quand il avait des problèmes de santé? Comment? Donc malgré la prière, nous devons aussi nous prendre. La médecine scientifique est très importante. Hein. Bisous au travail à quand? Quand vous venez chez moi, vous êtes malade pour une intervention spirituelle. Pour une aide spirituelle par rapport à votre santé. La première des questions sera quoi? Avez-vous déjà vu le médecin, c'est-à-dire le médecin scientifique? Qu'est-ce que les médecins ont diagnostiqué en vous par rapport à votre maladie? Alors la personne va m'expliquer. Alors moi je vais me poser la question. Comment cette personne souffre? Alors la médecine scientifique qui est censée dévoiler l'origine de cette maladie ne voit rien. Très bien. Vie. Tous les appareils médicaux qu'il possède. La réalité spirituelle. Est-ce qu'il y a une réalité spirituelle qui fait que la médecine scientifique ne découvre pas la cause ni l'origine de ce que cette personne souffre? Des fois, comme on attend que la médecine spirituelle, prière pas l'obinango, médecine scientifique, à découvrir maladie. Parce que s'ils ne découvrent pas la maladie, comment ils doivent prescrire les médicaments à prendre? Alors, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, Dr. Wapiti. Clin d'œil spécial à Rodrick Malongo depuis les États-Unis d'Amérique. Rodrick Malongo, nous sommes de cœur avec vous. Le vieux Justin Panzou, le grand Mouyombe à Londres. Il y a Justin Panzou, le grand Mouyombe à Londres. Torobo Sanate, Papa Silanzanga depuis la France. Papa Silanzanga, merci pour tes conseils. Mimindoumi, Namushinglaba, Banalman, nous sommes de cœur avec vous. Le président Pedro Moutou, leader à jeunesse, association Mède à la Mer depuis la ville Fontaine, mais aussi partout en France, la Pissiomboté. Pedro Moutou, leader à jeunesse. Je vais citer en remerciant aussi Bato Nyos Bolingarabiso, Yalu Zombala de Madrid, Gérard Sadam de Manchester, ainsi que toutes les femmes, toutes les mamans qui nous soutiennent en tout cas. Et nous sommes arrivés à la fin. Le numéro de mon invité, Dr Wapiti, est affiché au bas de vos écrans pour plus de messages, communication, appels, orientation spirituelle, même des questions à poser. L'homme est disponible pour vous recevoir. Alors, votre dernier mot, la bandeko peut-être, Balingarasu Kosambelate, Balimbi. Ils sont égarés, bah, on a la nengue bah, spirituelle. Il y a faux bakomi belé, beaucoup aussi de faux pasteurs. Tu peux leur dire quoi? Merci beaucoup, mon frère. Mon de la fin, je vais tout simplement dire que je n'ai pas de problème avec nos frères qui se sont mis dans ces ministères, des fois d'une manière désordonnée. Naza contre Bangote, c'est ça ce qu'ils savent faire. Donc, si jour nous sommes arrivés, que nous écoutons l'évangile christique, où est-ce que nous allons malam. Et puis, je vais encore ajouter que na kamwa kiming na moni un pasteur a koufi batuba leli ba kati bilamba ba bamba mina mabile. Alors que dans la news christique, nous disons quand quelqu'un décède, quand quelqu'un nous quitte, il ne faut pas pleurer en déchirant les habits, comme vous êtes en train de blâmer Dieu. Pourquoi Azumouli Mounaye, alors que Nzambe qui avait instauré la loi de vie et de la mort. Bino Bolobi a kokende lolan, o ya te ya ki bino, meler ya koufi, ne fois que de lolan. Bino Fobo sepelan. Na moni batouba kende kaka poto, bazo sepelan kaka poissi mi valise a oke ne aéroport pour viser bimi. Azo mona loko la ke lola. Oui, à part poto to tika la kaka na lola. Mais pour l'année, tango balingi ba kende lola, o e bango ba koumi sa kawana, e mboka ya kimia, e tongama na olo eleki. Pour l'année, soumta koufe nga kende kuna ba ole la bazo panza bilamba, bazo ba malama bele pour l'année. Mais quand vous plairez de la sorte, vous rendez le voyage et la personne qui nous a quittés difficile. Besoin de rendre voyage spirituel est difficile. Numéro de téléphone. Nous, on dit, il ne faut jamais, on ne plaire jamais les morts.
on peut verser des larmes suite à cette séparation, comme on verse des larmes quand une personne voyage, mais nous ne pouvons pas pleurer en déchirant les habits comme nous sommes en train de blâmer le créateur qui avait instauré la mort. Donc, je suis là avec vous. Si quelqu'un voit qu'il peut faire un débat contradictoire par rapport à ce que je suis en train de dire, il n'a qu'à nous consulter et nous allons faire ce débat contradictoire entre l'évangile gnostique et l'évangile paulinienne qu'il détient. Donc, mon numéro de téléphone, c'est 084-84-35-762. Je répète, 084-84-35-762. 62. Vraiment, je présente mes sincères condoléances à la famille notre papa Baruti et je présente aussi mes sincères condoléances à notre frère Marcelo Tounassi qui vient de perdre son épouse. Que l'Esprit Christique les aide à faire à enterrer leur mort dans la paix. Que Hachem Adonai nous bénisse. Voilà, c'est par là que nous mettons un point final à cet entretien. C'était bien moi, Jérémy Luemba, les Renards du désert. Merci à la grande équipe technique. Restons ensemble pour de vrai. Merci, grand maître. Merci.